Yo, les guys, c'est Sergi et aujourd'hui, on va continuer notre aventure sur Ligue des Masters. Je crois que ceci, c'est la dernière saison qu'on va jouer avec le Barça. On va jouer 3 matchs. Désolé un peu. Je suis désolé pour encore poster, pour avoir traîné de poster cette vidéo. En fait, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais j'ai un temps chargé. Je ne suis pas youtubeur à temps plein, malheureusement. Donc, on va jouer 3 matchs. On va jouer contre Valence. Je sais pas. Attendez, je vais boire un peu d'eau parce que là, ça ne va pas. Ok, je crois que ça va mieux là. J'avais un chat dans la gorge. Allez, on va, comme je disais, on va jouer notre match contre FC Valence. Après, on va jouer notre match contre Atlético Bilbao. C'est aussi comme une finale. Si l'Atlético de Madrid gagne, eh ben, on n'aura pas le trophée même si on gagne. Mais il faudra qu'on gagne ce dernier match de la Liga. Et ensuite, on aura la finale de la Champions League. J'espère que vous êtes là avec moi parce que ça sera un très grand match face à Manchester United. J'espère qu'on aura ce trophée. Alors, je vais préparer mon équipe face au FC Valence. Donc, je crois que je vais faire ça. Mais je me dis que face à Atletico Bilbao, je vais pas mettre. Regardez, je vais garder. Par contre, je vais mettre Lewandowski ici parce que c'est une finale. Hein. Rafinha, je mets Dembélé. Je garde Depay parce que je trouve que Depay joue mieux de ce côté que Ferran Torres et les autres. Alors, Frankie Deong, il va rester, bien sûr. Pedri, il va rester. Bon, Pedri, je trouve qu'il joue mieux à l'aile. Sans vous mentir, je trouve que Gavi fait mieux le boulot que Pedri au milieu. Donc, je vais mettre Pedri après. Je vais le mettre celui qui va remplacer Memphis Depay. Jordi Alba n'a pas l'air en forme, alors je vais mettre Alex Balde ou bien Marcos Alonso. Ansu Fati, franchement, Ansu Fati, il a fait une super saison à pas passer, mais je me dis que je vais le vendre. Il est déjà 84, c'est super. Donc, si on regarde les stats de chaque joueur, donc vous voyez, il est déjà 86, donc bientôt il sera 90, donc ça sera un des joueurs parfaits. Mais en tout cas, moi, mon coup de cœur, c'est Frankie Deong, en tout cas dans tout le club là. Alors, ouais, je garde comme ça en fait. Je crois que je vais rien changer. Je crois que tout va bien. Et Sergio Busquets va rester sous le banc. Alors, on va jouer notre match contre FC Valence. Et donc voilà, finale de Copa del Rey, les guys. On va un peu augmenter le volume là pour rentrer bien dans le match. Je suis désolé pour la vidéo que j'ai postée la fois passée. Je m'étais rendu compte que j'avais laissé un très gros volume sur le jeu vidéo et ceci couvrait ma voix. C'est parti les gars, c'est parti. Il faut te souvenir. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de cinématiques. Je vais vous laisser parce que c'est deux. Bon, je vais vous laisser deux cinématiques avant des finales. Le match championnat, je ne mets pas. Mais j'aime bien voir la cinématique, moi. Tu vois, il faut prendre le plaisir. Alors, regardez, ils ont Cavani, donc c'est lui qu'il faudra marquer. Et je me souviens, le début de la saison, ils nous avaient battus. On les avait battus chez nous. Et ici, je crois qu'on est chez nous. On est au Camp Nou, si je ne me trompe pas. Ou bien on est dans un autre stade, je ne sais pas. Allez, Dembélé, tout le monde est prêt. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose de très important. Mon avatar. Attendez, je le mets direct. Attendez, je vais mettre direct mon avatar là. Allez, voilà, mon avatar est de retour. J'ai complètement oublié. Oh, faudra pas que j'oublie dans les prochaines vidéos. Et maintenant, il faut que je me mette directement dans le match. Franchement, les gars, je suis épuisé parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée très chargée. Je me suis dit, voilà, je fais la vidéo direct comme ça parce que j'ai envie de me détendre un peu sur un petit football life. Et c'est parti. J'espère que j'ai pas oublié comment on joue là. Et oui, le premier but, voilà. On entre bien dans les matchs, ça, on a très bien joué. Je vous avais dit que Depay, franchement, je m'étais rendu compte qu'il était fort à l'aile gauche. Et parfois, j'ai oublié. Je sais pas comment Dembélé s'est retrouvé libre, là. Regardez. Très joli passe de Depay, là. Et là, j'ai joué avec tout le monde. Je me dis, si on m'offre, je sais pas si celle-ci sera ma dernière vidéo sur PS. J'ai envie de faire une vidéo sur GTA. J'ai envie de commencer une série sur GTA. Je vous réserve la surprise pour que vous voyez cette vidéo. Ça sera une série sur GTA, une petite idée que j'ai eu en fait. J'ai envie de faire un truc que je voulais faire sur GTA et bon, je dois télécharger encore le jeu, je dois acheter ça sur Steam et après le télécharger, attention. J'ai très mal joué. Et je voudrais commencer une série sur GTA et je me dis que Ligue des Masters, je me demande si je vais continuer. Je sais que la plupart de mes abonnés, la majeure partie me suit grâce au foot. Mais je sais pas si faire du GTA va m'apporter quelque chose. Attention, c'est comment c'est entré là. Chaque fois j'oublie, il fallait que... Non, en tout cas, je ne suis pas concentré en défense. En tout cas, je suis en train de jouer une défense de merde cette fois-ci, là. Je change quelque chose. Marquage rapproché à Cavani, parce que là... Oui, comme je disais, je voudrais faire du GTA. En fait, sur cette chaîne, je m'en fiche complètement. Alors, il fallait que je passe à Deong, là.
Sur cette chaîne, je ne jouerai pas souvent les nouveaux jeux parce que j'ai pas vraiment le temps, comme je vous ai dit. Moi, j'aime jouer des anciens jeux. En fait, cette chaîne, je la fais spécialement pour moi, pour mon plaisir à moi surtout, parce que j'ai envie de jouer des jeux et y prendre plaisir. Parce que si je fais juste pour attirer des abonnés et tout, je crois que c'est pas vraiment une super chaîne comme ça. Moi, j'aime les chaînes où, franchement, celui qui joue, il a la passion dans ce qu'il fait, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait ce PS et pourtant, ce n'est plus trop à la mode sur YouTube, mais vous voyez, je fais ça et je me dis que un truc que j'ai envie de faire avec GTA, et là, c'est pire. Oh là là. Une petite série que je prévois sur GTA, mais ne vous inquiétez pas, ça serait un peu fun. Je voudrais tester ça et voir ça sur YouTube. Et je me dis aussi que j'ai envie de jouer aussi des anciens jeux comme Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Rogue. Des jeux qui sont plus trop à la mode ou bien The Witcher 3. Ce sont des jeux que je n'ai jamais terminés. Si je voudrais les terminer sur cette chaîne. GTA, ça j'ai terminé. C'est juste que j'ai envie de faire une série avec les mods. Et on peut voir ce qu'on va faire avec. Ça sera un peu fun, tu vois. Attention, là je vois que Lewandowski, il va y aller. Et c'est le but. Voilà, voilà. J'ai eu peur. J'ai hésité entre lobby, mais je n'avais pas vu le gardien. J'étais tellement concentré sur le défenseur qui me suivait là. Voilà, ça c'est un superbe but là. En tout cas, je ne suis pas concentré, je suis en train de parler, je ne sais même pas si ce que je suis en train de dire est très important pour vous. Regardez, on va voir ce but, c'est un but parfait en tout cas. Passe de Gavi, franchement j'avais vu Lewandowski demander la passe dès le début, je me suis dit, je passe. Là j'ai protégé ma balle. Cette fois-ci, on ne va pas essayer d'encaisser le but, je trouve que Valence n'est pas si fort que ça aujourd'hui. Ah, je prends la balle. Voilà. Là, je crois que c'est pour Lewandowski, ça. Ah là là, c'était super bien joué là. Ah là, c'était pas vraiment faute là. C'était pas vraiment faute parce que j'avais touché la balle. Même si c'est vrai, je touche un peu le pied, mais c'était pas vraiment faute. Attention, je comprends pas ce qui se passe là. On va contrôler ici un peu pour mettre de l'ordre dans la défense parce que essayer d'intercepter les ballons. Voilà, ça c'est bien. Voilà, là, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Bien sûr. Et voilà, on y va. Dembélé, il est très rapide. Il va y aller tout seul, comme un grand. Ah là là. J'ai été rattrapé par le défenseur. Ne vous inquiétez pas pour Verne Legend, ça je vais continuer, c'est parce que je suis encore à Auxerre. Et franchement, aucune équipe ne veut m'acheter, mais juste pour vous mettre à jour sur Verne Legend, j'ai déjà marqué environ 10 buts dans la saison. Et je suis en train de marquer autant de buts parce que j'ai remarqué qu'en fait, les équipes ne te recrutent que quand tu marques autant de buts. Et moi j'étais tellement focalisé sur les passes que je ne marquais pas autant de buts. Donc malheureusement, c'est la vraie vie, voilà la passe de Young. Et voilà, ça c'est trop facile ça. Voilà, là c'est trop bien, ça fait 3 buts à 1 les guys. Et je me dis que si je fais, si vous voulez une Ligue des Masters, j'avais vu un abonné voulait que je joue à Manchester United sur notre saison. Mais je suis pas sûr, franchement, là maintenant, parce que j'ai d'autres idées pour la chaîne pour continuer. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps. C'est ce qui est dommage quand on a une passion, tu vois. Quand on était jeune, tu vois. Si j'étais jeune, sans boulot, je m'aurais mis à plein temps. Mais j'avais pas d'argent pour acheter le matériel que j'ai aujourd'hui, l'ordinateur, les jeux. Mais maintenant que j'ai tout ça, j'ai l'argent et tout, j'ai plus le temps maintenant de faire tout ça. C'est vraiment dommage. C'est ce qui m'énerve souvent, cette vie. Attention, on va contrôler ici comme d'habitude parce que là je sens. Attention. Ok. Je sais plus quoi faire. Ah non. Allez, bien fiche du paille là. Non, je voulais. Ok, ça va. Alonso. Je sens des gens déjà fatigués dans ce match là. Ah non, Lewandowski. Moi, je préfère pas. Je sens déjà la fatigue chez certains joueurs. Il y a Ousmane Dembélé qui est épuisé. Je vais Rafinha. Memphis Depay. Je me pétris. Je vais reposer aussi de Lewandowski, même s'il est super bon. Je vais mettre Dusan Vlahovic. Peut-être pas pour mettre Busquets pour soulever le trophée. Ah non, mais ça c'est quel passe qu'on est. Alors, en tout cas, Dembélé récupère beaucoup de ballons aujourd'hui. On va essayer de monopoliser le ballon.
Ah là là, c'était bien dosé cette passe là. Mais en tout cas, le ballon ne sort pas. Récupérer ça calmement. Je voulais avoir un corner pour que la balle sorte. Là, je vais sortir seulement. Je vais juste sortir. Attention, ne pas faire une gaffe. J'ai pas envie qu'il revienne. Ah, Koundé. Koundé aussi. Il n'est pas du tout dans son match aujourd'hui. Ah, Koundé. Dès que j'ai la balle, je vais dégager dehors. Parce que là, ça ne va pas. Je sens aussi de la fatigue. Je vais mettre Busquets. Parce que c'est lui, le capitaine en vrai. Et j'enlève Koundé. Je mets Hector Bellerin aussi. Voilà, une petite faute là. Bon, je vais cacher un peu mon avatar parce que je me prépare à ce que... Je me prépare à ce qu'on remporte le trophée. On va laisser Cavani. Attention, Ter Stegen, qu'est-ce qu'il fout là? Allez, remplacement pour tout le monde. Ah, c'est parce que je sentais les joueurs, ils étaient tellement fatigués. Attention, et le... Bon, parfois, je me dis que ce jeu est cheaté, hein, parce que là, franchement, ils ont très bien joué, mais, mais comment tous mes joueurs sont très mal placés comme ça, c'est juste incroyable, tu vois. Ah, et oui, et bon, et là, on va devoir défendre les guys. Faut pas qu'on prenne un but, parce que là, j'ai pas envie que cette vidéo soit longue, en tout cas, les guys. Pedri, Pedri, en tout cas, il a la force. Il avait la force. C'est quoi ça? Ce jeu, c'est bizarre d'un coup. Ça devient difficile. Mais bon, c'est en soi réaliste. Si on peut pas trop. On va essayer de jouer calmement de toute façon. C'est presque fini. Et voilà, c'est terminé. On est champion d'Espagne. On a la Coupe du Roi. On va savourer. C'est une parfaite entrée en Coupe du Roi. On n'a pas tellement souffert que ça. À part, ah oui, face au Real Madrid, en tout cas en demi-finale, c'était vraiment ça la finale à gagner. Dès qu'on a gagné en demi-finale, eh ben, finale, je savais qu'on allait gagner. Ça allait être simple face à FC Valence. Maintenant, on va soulever le trophée. C'est Gérard Piqué qui soulève. Ah, il fallait que je mette Busquets en tant que capitaine là. Mais pas de souci. Quelques photos pour la souvenir. En tout cas, on souffle, il est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là pour savourer ce trophée. J'espère qu'on en aura deux autres dans les matchs qui vont suivre. Tout celui du championnat et la Champions League. Allez, on continue. On clique sur suivant. Allez, on va jouer un gros match face à l'Atlético. Mais je vais reposer beaucoup de joueurs. Parce que c'est Atlético Bilbao. Je crois pas qu'on aura besoin de joueurs. Je vais mettre Busquets ici. Non, je vais mettre Kessié. Je préfère garder Busquets pour la finale. Parce que Busquets, il récupère très bien les ballons. Par contre, Lewandowski, je préfère le garder aussi pour la finale. Marcos Alonso, tu sors. Je préfère te garder pour la finale. Dembélé, il va jouer. Gavi, ah, je préfère garder Frankie Deon pour la finale. Je mets Sergio Roberto. Koundé aussi, je le garde. Piqué aussi, je préfère le garder. Mais Piqué, parfois, dans les grands matchs, on fait du n'importe quoi. Alors, je vais garder par contre Ronald Araújo. Je vais mettre qui? Je vais mettre Garcia. Par contre, je trouve que Baldé, je mets que Jordi Alba. Voilà, je crois qu'on va y aller comme ça. Hein. Gavi, peut-être j'aurais dû le remplacer. Je crois que je vais mettre Warrington. Par contre, Gavi, ici, je vais retirer quelqu'un que je ne joue pas avec. Ferran Torres. Allez, le milieu sera limité. J'espère que je ne fais pas une gaffe. Hein. Je ne vais pas vraiment voir les messages ici. Ok, premier trophée, on a deux trophées. Hein. On commence à faire agrandir notre palmarès. Bon, on va pour le match suivant, les guys. Face à l'Atlético Bilbao, les guys. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette rencontre. On va peut-être connaître l'identité du champion aujourd'hui. Vous qui nous suivez régulièrement, pas la peine de vous rappeler qu'un match nul suffit à cette équipe qui nous a fait vibrer toute la saison. Oui, mais voilà, en face, il y a un groupe bien déterminé à gâcher la fête et à empêcher ce sac. Alors il faudra faire preuve de sérieux et d'application pour remporter le titre. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Allez les gars, c'est parti. On va essayer de remporter ce trophée aussi.
Barça. Allez, je vais passer tout ça parce que voilà, ça risque d'être très long comme ça. Et là, j'ai l'impression que. Alors, on va faire une passe encore à Dusan Vlahovic. Et bien sûr, ça va entrer. Je savais pas que Sergi Roberto pouvait faire des passes en profondeur très précis comme ça là. Et voilà, on marque notre premier but. Ils ont fait l'erreur de nous donner le ballon en premier. Voilà, il faut ramener cette Liga, pour que cette Liga reste à la maison. C'est une chance qu'on joue le dernier match au Camp Nou devant les supporters. Donc ils vont pousser. On va passer tout ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut lui? Ah là, attention, faut pas, je sens que. Il commence à faire du n'importe quoi, c'est toujours comme ça quand j'ai des matchs importants avec Piqué. Ça c'est Warrington, hein. Warrington en tout cas c'est un grand joueur à devenir. Oh là là. Nous devons jouer avec Sergi Roberto pour reposer notre milieu, surtout Frankie Deon que je veux garder au frais. Voilà, faut faire attention à la défense là. Mais c'est Bilbao, hein. Faut faire attention, c'est pas FC Valence, je crois qu'ils sont même plus forts que FC Valence. Moi je garde un peu avec. Ouh, j'ai cru que ça ferait entrer là. Donc faut faire attention, Bilbao c'est une équipe super forte. On va jouer un peu. Valdé, il a un peu traîné pour passer là. Donc je me dis aussi que je préfère aussi une saison avec un petit club, je me dis Nottingham Forest. Ce qui, ou bien, je sais pas, un autre club, ou bien Stone Villa, je sais pas. Un petit club de première ligue là, et essayer de les faire monter. Pour que ça y ait plus de challenge, quoi. Ah, est-ce qu'il va prendre ça? En tout cas, on joue bien là. On a eu juste une occasion là. Je veux dire, on a eu une frappe. Bon, ça, c'est la deuxième frappe, je crois. Ils sont très bien regroupés derrière les. Ceux de Bilbao, les joueurs de Bilbao là. Bon, là, c'était super mal joué là, Dembélé. Essayer. Essayer comme d'habitude, je vais l'utiliser pour intercepter les ballons. Warrington, est-ce qu'il va pouvoir prendre ce ballon? Et oui, c'est normal que aussi on est un peu faible. Parce que vous vous rappelez bien que j'ai remplacé tous mes milieux aussi. En tout cas, ils sont très bien regroupés ces joueurs. Ah non, il y avait deux joueurs, j'étais gêné. J'ai pu réussir à me retourner. Alors, merci pour celui qui m'a donné cette astuce sur YouTube là. Maintenant, j'arrive franchement à me mettre à marquer. Dos au but, j'arrive à marquer des buts dos au but là. C'est très important ce but surtout. Parce que ça permet de protéger la balle. Et pouvoir tirer calmement. Faut qu'on marque un deuxième but le plus rapidement possible parce que je sens que Bilbao peut égaliser à n'importe quel moment. Science. Ça c'est Dusan Vlahovic qui est revenu en défense. Il sait tout faire. Premier corner les guys. La mi-temps qui va se terminer. En tout cas, on n'a pas super bien joué en première mi-temps, même si. On a eu un but gag là, je les ai surpris dès les premières minutes. Mais en vrai, on n'a pas tellement bien joué cette première mi-temps, je trouve. Et Dembélé, il va y aller, hein. Je vais aller avec Dembélé. Je vais aller, je sais qu'il est capable. Ah non, mais c'est son tir en tout cas, je sais pas, il a un problème de tir là. Et voilà, c'est la mi-temps les guys. Attention, faut pas qu'ils nous fassent la même chose qu'on a fait là. La faute, j'accepte. Attention là, est-ce qu'il va pouvoir. Oui. Regardez, ça c'est Eric Garcia. Allez là, c'est une jolie passe, Roberto. Ouf. Malheureusement, c'est Roberto. Et Roberto qui s'est collé là. Là, je savais pas qu'il allait pouvoir marquer. Attention, attention. Là, je vois beaucoup de. Que je sais, voilà, tout est. Bien passé là. Si on ne peut pas les laisser tirer là. Voilà, ça c'est très bien, c'est Warrington. Warrington, je vais attendre un peu, je vais encore attendre. Ah là là, c'était franchement Dusan Vlahovic. Mais c'est pas bien placé, il pouvait peut-être attirer un défenseur vers l'autre côté là. J'ai tiré la première intention là. En tout cas, Warrington, je ne m'attendais pas à avoir un très bon joueur au milieu comme ça. Je vais trop l'utiliser d'ailleurs. C'est les dernières saisons. Malheureusement, si j'avais su avant. Attention, faut pas prendre un but. Dégageons, c'est mieux. Voilà, Dembélé va le prendre.
On récupère très bien, on récupère des ballons super bien là, mais il faut marquer un deuxième but direct. Toussaint Louis, est-ce qu'il va la prendre? Allez, remplacement pour Bilbao. J'ai voulu tirer. Je vais faire aussi des remplacements parce que je sens que les gens s'affatiguent ici. Je mets Pedri, c'est mieux. Warrington s'affatigue, je mets Gavi pour un peu, mais... Peut-être fallait que je garde Warrington et j'enlève Sergio Roberto, je sais pas. C'est bien fait, ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, là, c'est bien. Ils sont piqués là. Là, j'ai voulu jouer carrément dans l'espace, je me suis débarrassé du ballon. C'est très bien Warrington là. Je l'ai touché. Bon, mon côté du truc c'est que il y aura des remplacements. Rafinha qui vient aider et je trouve que Rafinha lui il peut marquer des buts. Attention, attention, faut pas faire ces erreurs ici. C'est pas le moment encaissier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah c'est qui? C'est Alex Baldé, il est fini, il est cuit. Regardez un peu là-bas, là. Le FC Barcelone qui mène toujours 1-0 à quelques instants de la fin. Dani Ceballos. Il joue long. Ross, il réussit son contrôle. Hector Bellerin. Il y a beaucoup de fatigue des latéraux. Il faut que je les change bien avant. Et je vais mettre aussi Koundé. Pour bien le mettre. Pour le préparer à la Champions League, là. Rafinha. Alors... Il n'y a vraiment personne là. Et là, je préfère dire tout le monde aller en défense parce que ça risque de chauffer là. Ah, ça commence à grogner en tribune. Trop d'interceptions. Allez, plus que quelques instants à tenir. Et on va monopoliser la balle parce que là, on domine donc. Et voilà, c'est terminé les gars. Ils ont les champions. Je crois qu'on est champions, oui. Je crois que j'ai aussi cheaté de mon côté. Donc Atletico a perdu, c'est ça? C'est ça que vous voulez me faire croire? Eh oui, on est champion les gars, on remporte un autre trophée, donc on va remporter tous les trophées cette saison. Oui, il reste un dernier match et c'est celui qui est le plus important. On est les champions, on est les champions, on est les champions. On a notre trophée de la Liga. Ouais, franchement, on a souffert pour cette Liga. Mais je crois que le fait qu'on l'ait remporté, c'est un peu cheaté aussi. Oui, moi je dis ça, même si c'est vrai que c'est en ma faveur, mais je crois que c'est un peu cheaté. Voilà, c'est quoi, ils ont perdu. Allez, on va voir l'équipe. Aucun joueur du Barça, c'est outrage les gars, outrage. Aucun joueur du Barça, mais c'est du n'importe quoi en fait. Je suis outré les gars. Les équipes nationales du monde entier ont lancé... Ok, on a fait ça. Cadre de manager, bien sûr, un autre trophée. Trois trophées déjà. J'entre déjà dans la légende. Regardez, l'équipe est contente. Regardez Ter Stegen et Dusan Vlahovic. Regardez. Allez, maintenant, on va préparer le match face à Manchester City. Gros match, les guys. C'est le match qu'on attend tous. Et la conférence de presse. La finale en UEFA Champions League est toute proche. Qu'allez-vous dire à votre équipe avant le coup d'envoi? On va tout donner. On va donner tout sur le terrain, les guys. Il faut tout donner. Allez, on va jouer contre Haaland. La finale, l'affiche. On va jouer à Camp Nou. Non, ça serait exagéré, ça serait de la triche. Allez, on va jouer Lewandowski direct, les guys. Lewandowski. Rafinha. Et pas, il joue super bien, en tout cas, je trouve. J'hésite, je mets Pedri. J'ai hésité. Gavi et Frankie de Jong. Allez, Ferran Torres, je le fais monter, hein, parce qu'on aura peut-être besoin de lui. Sergio Busquets, bien sûr, c'est le patron. El Garcia, désolé, tu sors aujourd'hui. Ronald Araújo, es-tu? Voilà, il vient. Je trouve que Christensen est en forme, donc je vais le monter.
Valdé, il est en forme, mais Marcos Alonso va mieux jouer. Victor Bellerin. Ah, je crois que je vais laisser Victor Bellerin, hein, parce que je trouve que Koundé ne marque pas. Et je mets que des gens qui sont capables de marquer. Non, regarde, s'il y a un joueur qu'on oublie qui est capable de marquer. Non, tout le monde est capable de marquer. Mais par contre, je vais mettre Ousmane Dembélé en premier parce que je vois qu'il est chaud aussi. Allez, qu'est-ce que je voulais changer aussi? Le capitaine, je mets Busquets pour que l'esprit d'équipe monte. Allez, les guys. On va jouer la finale. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti, les guys. Allez, les guys. Allez, allez, allez. On peut le faire. On peut gagner. Allez, par contre, le maillot de Chelsea, de Manchester, est-ce que ça serait pas mieux s'ils sont comme ça, là? Je crois que ça serait mieux. Je crois pas que ça va faire des problèmes. Allez, on va cliquer sur coup d'envoi, les guys. Et c'est parti pour la finale. Ultime, après les éliminatoires l'été dernier, la phase de groupe, et ces petites surprises, et puis les tours à élimination. C'est parti, les guys. J'ai complètement oublié d'activer le truc. Allez, est-ce qu'on va pouvoir gagner ce match? Si on le perd, franchement, ça serait dommage. Après tout le parcours qu'on a fait, et tous les trophées qu'on a remportés. On n'est pas à temps pour les guys, on est. Je sais pas là, j'ai pas vu le stade, quoi. J'étais tellement distrait. On est dans un stade neutre. Allez, c'est une hymne nationale qui nous donne des frissons. Allez, je réactive mon avatar là. Très grand match, les gars, très gros match, Manchester City. Je n'ai jamais joué avec eux dans ce jeu. Bon, j'ai joué ça une fois et je m'étais pris 6-0, je me rappelle. C'était en superstar. J'espère qu'en professionnel, ils vont y aller doucement. Donc voilà, Kai Walker, Gérard Piqué. Il Foden, Gavi. Tout le monde est là, un gros match. Je suis sûr que Messi est en train de regarder ce match dans son salon. Et c'est parti, les gars. Et là, on va commencer directement comme ça. Hein. Et non, ça ne sera, sera pas aussi facile qu'avec les petites équipes. J'ai voulu... en profiter, mais ça c'est une très belle défense là. Allez, peut-être que je protège la balle. Attention, attention, Haaland. Ouh là 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 là, ce type c'est un démon, les guys. Non, écoutez, vu, je viens de voir quelque chose là. Je viens d'avoir un flash, un flash dans les yeux là. Il m'a fait peur. Vous avez vu comment il s'est retourné, les gars? Allez, je vais mettre Sergio Busquets sur Haaland. Désolé, Sergio Busquets, ça sera aujourd'hui ton boulot. Section défense. Des jeux en sélection avancée, la cage rapprochée. Haaland, il n'y a que lui qui peut perdre dans cette équipe. Allez, on va passer à Dembélé là-bas. Ouais, maintenant, je passe un gros. Hein. J'espère que le fait d'avoir joué avec des petites équipes ne va pas faire à ce que ça soit très difficile. Hein. Marcos Alonso ne va pas le prendre, en tout cas. Très mauvais espace aussi de Pedri là. En tout cas, il joue en attaque. Moi aussi, je vais jouer en attaque là, parce que. Non, je me dis peut-être en défense, c'est mieux. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Marcos Alonso n'a pas l'air du tout dans ce match. Peut-être que je vais jouer Valdé. On va tirer loin parce que là, je vois... Oh, il est parti. Hein. Là, on se gêne. On va essayer de passer Dembélé là. Là, il y a faute. En tout cas, c'est un gros match. Je sens que ça sera pas facile. Je sens qu'on va pas la remporter aussi facilement si on la veut. Ça, c'est Manchester City, les gars. Et je sais qu'ils sont boostés. Et c'est compréhensible parce que cette équipe, elle est trop forte, les gars. Oh, petit pont. Allez. Ah, j'ai cru que ça allait être corner, là. Personne, il n'y a personne, en tout cas, derrière. En fait, c'est parce que je suis. J'ai dit. Oh là là, Haaland, Haaland. Ouh. T'as vu comment il s'est débarrassé de nous? Oh là là là. Je sais pas pourquoi ma ligne défensive est si haute. Pourtant, je les ai dit d'aller derrière pour... Si on a Haaland. Et ça, c'est bien. Ça, c'est qui? C'est Gavi. Je sais pas quoi faire parce que, franchement, City... Allez, avec De Jong, peut-être il va nous aider. Et oui, la jolie passe. Ah, Lewandowski, franchement, cette équipe, elle est boostée, les gars. Elle est boostée. Ça sera pas facile. Un petit peu de challenge, comme je voulais. Attention, je tire, je préfère.
pour avoir un seul tir. Je crois que c'est notre premier tir, hein, si je me trompe pas. Parce que là, on n'avait aucun tir, les gars. Aucun. Allez, on récupère la balle. Là, c'est bien. C'est quoi, c'est Pedri, non? On va essayer de dégager parce que... Je ramène Lewandowski en défense parce que... Non, c'est pas possible. City, ils sont trop cheatés, je vous assure. Ils sont trop cheatés, cette équipe est trop cheatée. Ce Football Life, là. Mais en vrai, c'est normal, ça se comprend. Si on... Je crois que je vais demander mon équipe d'un peu monter. De monter parce que là, on va pas rester derrière comme ça. Le match, là. Et... Ouh là là. Et là, je vais demander à toute ma défense d'aller en surface parce que... Je vais demander au bloc d'être centré comme ça, là, parce que... Marquage rapproché, arrière latéral. Ok, je vais laisser marquage rapproché, je vais faire... Passons en surface. Ouais, là, c'est bien, c'est bien. Allez, on va jouer l'attaque cette fois-ci, parce que je trouve que jouer trop la défense, ça leur donne beaucoup, beaucoup trop d'opportunités pour nous marquer un but, là. Tout va bien pour le moment. Je crois que Busquets fait très bien son boulot avec Haaland là. Malheureusement, là, j'aurais pu marquer un but. Tout ce que je peux faire, c'est chercher les passes en profondeur, les longues passes en profondeur. Allez, c'est parti. En tout cas, ça va mieux maintenant que j'ai fait Gavi, Gavi. Oui, Gavi. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel de merde? J'étais tellement précipité pour marquer. J'aurais pu me calmer et le mettre au fond. Mais en tout cas, c'est la première grosse occasion qu'on a eue. Maintenant, on commence à jouer. Franchement, là, c'était bien joué. Là, je m'étais calmé. J'aurais pu même faire une feinte de frappe. J'ai super mal joué. Attention, attention. Là, là, là. Là, maintenant, on commence à jouer, les gars. Là, on commence à jouer. Dusan Vlahovic, je sais qu'il peut aller. Ah, on sait pas Dusan Vlahovic. Chaque fois, je oublie, c'est Lewandowski. C'est bien. Là, il y a faute, hein. Coup franc. Attention, faut pas me laisser des coups francs comme ça. Manchester City, parce que là, j'avais même l'impression qu'on était en surface. Je mets Lewandowski ou bien... Je crois que je vais mettre Lewandowski. Non, je mets Marcos Alonso. Parce que c'est mieux. Je me dis. Ah, je sais pas si ça va entrer. Ah, j'ai un peu trop tourné. Mais ça aurait touché le poteau même si c'était cadré. Je crois que j'ai mis un peu trop de force. Faut juste la mettre un peu là. Attention, qu'est-ce que je fous là? Attention. Ouh. Qu'est-ce que ce joueur est en train de faire là? Allez, les gars, on va essayer d'avancer. Il y aura beaucoup de coupures sur le montage parce que j'ai mis quelque chose au four et parfois je vais regarder. Et du coup, j'espère que ça va pas donner mon stamina. Attention, mais bon, ça me repose un peu aussi les doigts un peu. Parce que toi, rester aussi doigts sur la gâchette aussi, c'est un peu fatigant. Attention, maintenant, je commence à oublier comment défendre, là. Donc, j'ai mis quelque chose au four et... Voilà, là, je dois faire quelque chose aussi, hein, parce que je sens que ça ne donne plus. Finir, viens nous aider. Petri va rester là-bas. Un petit Dembélé, il joue super bien, mais il n'est pas à fond, il n'est pas du tout à fond, là. Je sais qu'il peut faire mieux. Attention, attention, attention. Faut pas faire des gaffes là, faut pas faire des gaffes. Oulolo, Haaland a failli nous faire. Il nous jouer un mauvais tour là. Attention, attention. Ah, on prestera pas. On va le prendre à deux. Allez, Hector Bellerin. C'est Gavi. Gavi, en tout cas, il joue super bien aujourd'hui. Ah, là, je me retrouve directement entouré. J'ai un Virafinha là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? Avec que j'utilise les appels en manuel. Voilà, ça c'est pour Virafinha. Oui! Voilà! L'entrée qu'il fallait. Je crois que c'est Virafinha ou bien c'est Hector Bellerin. C'est Hector Bellerin. Je crois que c'était Virafinha. Je sais pas comment il s'est retrouvé là-bas lui. Je m'attendais à ce que ça soit Virafinha. J'ai même enroulé. Je savais pas que ça avait enroulé. Regardez, regardez. C'était Hector Bellerin. Virafinha était derrière. J'ai eu peur qu'il soit hors jeu, mais. Aussi, les défenseurs aussi déviés donc. En tout cas, c'est encore sur place de Deong, de Frankie Deong. Et je crois que je vais enlever Pedri aussi. Une bonne pointe en tout cas à l'aile, j'aurais pu avec lui à l'aile. Je peux faire Memphis Depay en tout cas.
Attention, il ne faut pas faire l'erreur là. Ah, c'est Gavi. Gavi, en tout cas, il est à fond. Il est très à fond, ce joueur. Oh là là, j'avais pas d'autre moyen de faire. Si on fait Frankie de Jong, il est épuisé aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà épuisés. La Frankie de Jong, il est fini, les guys. On aura besoin de lui. Je préfère mettre Frank ici, là. Là, je vais l'échanger contre un Memphis Depay et je vais mettre Dusan Vlahovic parce que je sens que l'attaque, ils sont épuisés. Même en défense, regardez, Marcos Alonso. Juste plus dans le coup. Même Hector Bellerin. Est-ce que j'aurai assez? Non, je crois pas que j'aurai assez de rotation. Donc, bon, Hector Bellerin, il va devoir rester. Oh, le poteau, le poteau, le poteau. Allez, on récupère la balle là. J'ai voulu me retourner avec Gavi. Attention. Attention, attention. Faut pas qu'ils font des gaffes là. Attention. On dit pas que c'est pénalty. Ah non, j'ai eu peur là. Allez, il faut qu'on défende là. Attention, ça risque d'être but. Ça risque d'être but ici. Mais ils sont cuits aussi, ils sont cuits. C'est bien Ter Stegen, ça c'est ce qu'il nous fallait, il nous faut ça. Voilà, attention. Non. Ouh. Allez, tout le monde doit aller en défense. Non. Piqué, va, retourne là-bas. Là, il y a faute arbitre. Il siffle même pas cet arbitre. Il siffle même pas. Je vous assure, ça va être... Attention, faut pas que je fasse une gaffe là. Et voilà les guys, on est champion. Encore une fois. Oui, il faudra s'habituer à la victoire avec moi. On va trophée de suite les guys. Oui, Gavi avec son téléphone, il l'a mérité en tout cas, il l'a mérité. Une petite selfie. Petite selfie pour la fin de la saison. Moi, j'ai tout raflé ici dans ce club. Je vais devoir réfléchir dans quel club j'irai la saison prochaine. J'ai créé une équipe monstre. J'ai pas envie de jouer une deuxième saison parce que je sais que maintenant ça serait trop facile pour remporter les trophées. La saison prochaine parce que regardez, j'ai un club rempli. Et voilà, on a la Champions League les guys. Alors les guys, on va se laisser par ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera sur Vert. On se retrouvera, on va terminer la vidéo par ici. On se retrouvera sur Vert une légende. Et je suis en train de préparer une série sur GTA. Ça sera des modes de GTA. Je sais pas si GTA c'est encore à la mode. Mais bon, bah, comme je vous ai dit, cette chaîne c'est surtout pour mon amusement. C'est pas surtout ce qui est à la mode, c'est surtout pour m'amuser à faire ce que j'aime. Si vous comprenez ce que je veux dire, et ben je vais vous demander de pas oublier à vous abonner, à liker la vidéo, partagez-la avec vos amis, et à bientôt.